Est-ce que, pour vous, l'Europe est synonyme de solidarité entre les États membres? Oui. Un, deux, non. C'est à vous de voter. Pour les 221 personnes qui ont voté, oui, la solidarité est... l'Europe est synonyme de solidarité entre les États membres. Oui, bonjour, Patrice Sauber. Je parle au nom d'un mouvement dont vous entendrez parler prochainement, puisqu'il s'appelle Européen Solidaire, qu'il a l'intention de déposer des listes pour les élections européennes. Alors justement, le débat quand même illustre bien le quiproquo, parce qu'on est dans une campagne pour les élections au Parlement européen, et on a en face de nous un représentant de la Commission et un représentant d'un État. Comment voulez-vous que les gens comprennent le rôle du Parlement? Un Parlement qui n'a pas l'initiative des lois, un Parlement qui est encadré par un cadre financier, ce qui fait que les gens élus seront liés pour 6 ans, un Parlement qui vote un budget d'1%, alors que, ce qui est complètement ridicule par rapport à la richesse nationale, un Parlement dont on ne comprend rien du rôle. Et donc, quand on voit ce qui se passe dans les pays de la Méditerranée, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, est-ce que vous pensez vraiment que cette situation peut continuer tant que le Parlement, qui est le symbole de la démocratie, n'est pas dans un vrai rôle de Parlement, et donc qu'on n'a pas, en fait, une gouvernance politique qui émane du Parlement et qui soit en mesure de traiter les sujets européens au niveau européen? Monsieur, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, sur ce que vous dites du Parlement européen. Si vous avez l'intention de vous présenter aux élections européennes, il faut que vous ne teniez plus ce discours. Excusez-moi de vous le dire. Parce que moi, j'ai été député et sénateur français. J'ai été élu député européen ici, dans cette région, d'ailleurs, en 2009. Je travaille avec le Parlement européen, à qui je propose des textes, beaucoup de textes. Ce n'est pas vrai, monsieur, de dire que le Parlement européen n'a pas de pouvoir. Il a un pouvoir au moins égal au Parlement national. Je vous dis que sur tous les textes financiers extrêmement compliqués, techniques, précis, j'ai affaire à des députés de droite, de gauche, des Verts, comme un des ministres actuels, monsieur Canfin, au gouvernement français, qui était un des plus compétents en matière de régulation financière, quand il était député, qui sont extrêmement précis, compétents, respectés, et qui font un vrai travail. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas le Parlement européen ne compte pas. Il a l'initiative, c'est la Commission qui l'a. Moi, je ne suis pas imperméable, je ne suis pas sourd. Le Parlement fait des recommandations, fait des résolutions, et nous en tenons compte, comme ce que nous disent les ministres, pour faire des propositions. Ce n'est pas vrai, monsieur. Si vous pensez ça, alors c'est qu'il y a un vrai problème, parce que moi, je vous jure que le Parlement européen a un vrai rôle, et qu'il fait de bonnes lois, donc il faut plutôt que l'on voit comment la culture européenne, elle peut être construite à partir des richesses de chacun des pays qui peuvent l'apporter. Et je dirais aussi que c'est un sujet sensible. C'est pour cela, c'est assez étrange sur la partie économique, on n'a pas parlé du grand accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis qui font fantasmer ou craindre des pertes de souveraineté ou de je ne sais quoi. Néanmoins, nous avons sorti du mandat de négociation sur l'aspect, en quelque sorte, économique, tout ce qui a trait à la culture. Parce que la culture, c'est pas une marchandise comme les autres. Il y a derrière tout cela le respect de ce que nous sommes, de ce que nos pays ont été, la façon dont ils se sont construits. Et par ailleurs, il y a beaucoup de sujets d'ordre économique, mais aussi la protection individuel de chacun d'entre nous. Pardonnez-moi d'être un peu elliptique, mais le format ne permet pas d'aller sur un débat très très long. Mais en tout cas, voilà l'orientation sur laquelle on travaille. Début avril, je vous donne rendez-vous au Palais de Chaillot si ça vous intéresse. Alors, c'est un commentaire. Je suis franco-britannique. Quelque chose qui me frappe, c'est que on a besoin de faire le part de ce que les pays individuellement sont responsables. Alors, par exemple, lorsqu'on a parlé de la crise financière, on n'a pas mentionné que les marchés financiers ont attaqué les pays individuellement, et puis d'être clair sur ce que l'Europe peut apporter. Alors j'ai vraiment l'impression, même dans toutes les discussions ce soir, qu'on parle d'une façon confuse de, en effet, ce que l'Europe
a comme solution, mais on a toujours en filigrane ce dont les pays individuellement sont responsables de faire. Et pour moi, c'est ça, c'est d'avoir une clarté sur ce que l'Europe peut apporter en plus, tout à fait à part des responsabilités individuelles des pays pour leur propre bien-être. S'agissant des marchés financiers, on le voit bien à Londres, où, qui est la principale, c'est une chance pour nous tous, la principale place financière classique, de plus en plus, dans ce monde global, dans cette grande Europe, le problème de l'un devient très vite le problème de tous. C'est pour ça que il est évident aujourd'hui qu'on ne peut pas traiter les questions financières du point de vue strictement national. D'abord parce que les banques ont des implantations dans tous les pays, que certaines ont une telle taille qu'elles sont systémiques, et voilà pourquoi il faut un cadre européen. Au moins européen, et d'ailleurs ce que je fais pour la régulation financière, je le fais en application des décisions prises au niveau mondial, dans le G20. Les Américains font la même chose, les Chinois font la même chose, avec leurs lois, les Russes, les Japonais, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des problèmes maintenant, et c'est vrai aussi pour l'écologie, qui ne peuvent plus être traités au niveau strictement national. Je pense aussi, moi, comme homme politique engagé, que la défense de l'intérêt national ne peut plus être strictement nationale. Maintenant, je reviens. Cette question est très importante, hein, parce que les citoyens ont le sentiment que Bruxelles s'occupe de tout, il n'y a pas de limite, pas de frontières, et c'est sûrement vrai. Donc voilà pourquoi moi je serais assez favorable, je dirais en anglais, à ce qu'on pourrait appeler European Added Value Review, c'est-à-dire une révision générale européenne, mais partant du point de vue de l'intérêt général européen, pas de l'intérêt de chaque pays, de ce qui est nécessaire de faire ensemble, et de ce qui n'est pas ou plus nécessaire de faire ensemble, qu'on pourrait mieux faire au niveau national. Moi, je pense que le moment est venu de faire un exercice européen de révision de toutes nos lois pour voir s'il y a vraiment une valeur ajoutée européenne ou s'il n'y en a plus ou pas. Parce que oui, Éric Marie, de la Résistance française, ceux qui pensent qu'il faut sortir de l'Union européenne. Alors, c'est une question qui n'est pas une question piège, qui est une question de bon sens, de citoyen, scrupule du droit. Déjà, est-ce que dans une démocratie, il doit y avoir des sujets tabous? Et pourquoi, dans cette espèce de derby de la Commission européenne qui parle aux citoyens, la Commission ne parle pas avec les eurolucides d'Europe? Première chose. Vous avez dit les eurolucides? Oui, les eurolucides. Je peux vous rappeler qu'il y a trois prix Nobel d'économie qui, dernièrement, ont bien expliqué que le premier pays qui sortirait de la zone euro serait ceux qui s'en sortiraient le mieux. Et ce sont des prix Nobel d'économie. Donc je parle d'eurolucide et pas d'eurocritique, je ne parle pas de négativité. Deuxième point, comment, avec quelle légitimité, vous pouvez venir ici et nous répondre alors que nous, peuple français, en 2005, nous avons voté non au traité de Lisbonne et à plus d'Europe, et en particulier à l'Europe fédérale? Merci. Votre question est claire, elle leur sera retournée par mes soins dans un instant. Monsieur, vous serez la dernière intervention. J'aime bien ce mot de remucide. Voilà. D'ailleurs, je pourrais dire que j'en fais partie aussi. Hein. Donc, il n'y a pas de sujet tabou. Toutes les questions sont possibles. Après, vous dites on sort de l'Europe, il faut voir les coûts, les avantages. Moi, je vais vous dire un truc sur l'Europe. Pourquoi on a des raisons d'être ensemble? J'ai un tableau ici que je montre assez souvent aux gens avec qui j'ai l'occasion de parler, qui a été fait par les services de M. Cameron. Vous pouvez filmer ce tableau. Ça montre toutes les colonnes là, c'est tous les 10 ans à partir de maintenant, les 10 pays les plus importants du monde, par leur économie. Et en jaune, vous avez les pays d'Europe. Il y en a 4 en ce moment, parmi les 10 premiers. Sur 28, 4 seulement parmi 28. Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie. Qu'est-ce qui se passe les 10 ans? Il y en a un des 4 qui est éjecté du tableau. Qu'est-ce qui se passe en 2050? C'est le temps du plus jeune parmi vous, peut-être aussi avec un peu de chance ou l'autre. En 2050, il n'y a plus un seul pays européen dans le G8. Plus un seul. Moi, monsieur, je n'ai pas envie que ça se passe comme ça. Je n'ai pas envie qu'on soit éjecté du tableau.
pas seulement en tant que Français, en tant qu'Européen. Donc si on n'est pas ensemble, en plus d'être patriote, je comprends que vous êtes patriote comme je le suis et je respecte ça, si on n'est pas en plus européen, on est foutu. On est éjecté. C'est les Chinois, les Américains qui vont décider pour nous. Donc il faut créer une masse critique. Il faut créer, c'est d'ailleurs l'idée initiale de Jean Monnet et de Robert Schuman, il faut créer une marge de manœuvre pour compter. Alors après, vous pouvez dire que ça ne fonctionne pas bien, il y a plein de choses à corriger, j'en suis d'accord, on peut discuter de ça. Mais si on n'est pas ensemble, on est foutu. Voilà ce que je pense. Hein. C'est ce que j'en ai voulu dire. Les experts, ils espèrent que ce soit mieux. Allez, on est presque à bout. Vous avez gagné 10% de sentiment que la voix des Européens est entendue. C'est un meilleur score, on était à 40-60 hein, tout à l'heure. Monsieur Robentin, ça vous inspire quoi, l'échange qu'on vient de vivre? Qu'est-ce que vous en retenez? Bon, il faut qu'on fasse encore 4 ou 5 réunions pour monter à 70, 80, 90%.